Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à un sujet de jeu de la carte pour le déclarant. C'est le thème, c'est le sujet du mort inversé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va regarder ça ensemble. Je vais tout de suite mettre en place un partage d'écran avec ma présentation Point. La voilà. Je vais me mettre en pleine page et je vais donc démarrer ma présentation. Bien. Alors, on va introduire le sujet. Donc, on est en Coupe de France, hein. De France en juin, dernier match du comité en juin ou en septembre, ça dépend de l'endroit. Sur des matchs en trois tiers-temps de 10 donnes. C'est pratique, on joue à 6, on peut se relayer plus facilement. Vous êtes plutôt bien parti, vous menez de 10 à la fin du deuxième tiers-temps. Vous êtes plutôt bien engagé sur le match. Vous avez fait les 9 premières donnes du troisième tiers-temps qui se sont également plutôt bien passées. Arrive la dixième donne, la donne numéro 10 où Est et Donneur, nous sommes tous vulnérables. Vous êtes en salle ouverte. Bien, alors, voici la main en question. Vous avez donc cette main-là en sud. 3 et 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez ouvrir 2 1 pique. C'est pas une ouverture énorme, mais bon, on ouvre 2 1 pique, c'est tout à fait évident. Pas d'hésitation possible. Est avait passé avant vous. Donc, vous avez ouvert 2 1 pique. Nord dit 2 trèfles. Vous nommez votre bicolore, bicolore économique, hein. 12, 18 HL, 2 carreaux. Et le partenaire dit 3 piques. Alors, 3 piques, attention, ce n'est pas une proposition, c'est une main. C'est une main de chelem, espoir de chelem chez Nord. D'accord? Il n'avait pas fait une donche à limite au premier tour, du style par exemple un pique 2 sans atout si vous jouez ça limite fité. Il ne dit pas 4 piques maintenant, donc il n'a pas la main limite, il n'a pas la main de manche, il est au-delà de la manche. Donc sur 3 piques, ben forcément vous n'avez pas une grosse main, donc vous allez le décourager. Alors il y a deux approches possibles pour décourager le partenaire dans ce genre de situation. L'approche un peu classique qui dit, qui consiste à dire 4 piques. Je dis 4 piques et je veux que ça s'arrête ici. De mon point de vue, ça n'empêche pas le partenaire de reparler s'il est très fort. Une autre façon de faire que j'aime bien, c'est pratiquer le 3 sans atout coup de frein. Si je dis 3 sans atout ici, ce n'est pas une enchère naturelle, c'est une enchère qui signifie, partenaire, j'ai bien compris que vous pensiez au chelem, ne comptez pas sur moi pour y aller. J'ai pas une belle main. Donc, on dit 3 sans atout, mais on va voir que ça ne décourage pas Nord, qui continue, qui fait un contrôle, fait 4 trèfles. Donc, moi, je lui ai déjà dit que j'étais minimum. Donc, maintenant, il me demande mes contrôles aussi. J'avais lui donné le contrôle à cœur, 4 cœurs, donc courte à cœur ou as roi de cœur ou as ou roi de cœur. Il pose le black coup de 4 sans atout. J'ai deux clés, hein, l'as de trèfle, le roi de pique, deux clés, pas la dame d'atout, donc je dis 5 cœurs. Et là-dessus, il conclut à 6 piques. 6 piques. Bien. Entame. L'entame, l'entame. On va voir ce que c'est. L'entame du 10 de cœur. Bon. 10 de cœur. Le mort s'étale. Le mort s'étale. Alors, il a. J'aime bien compter les points de mon mort hein, pour voir si on est dans un bon contrat, si on a bourré ou pas, si les autres vont jouer pareil. 4, 3, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 points. Il sait que j'ai ouvert. J'ai 12 HL, j'ai une couleur cinquième, j'ai forcément une courte quelque part. Il sait qu'on est dans les zones de chelem. On comprend bien son enthousiasme. Bien, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire 5 levées à pique. Ça, c'est sûr. À cœur, ben, je n'ai pas de levée possible. À carreau, j'en ai 4, 5 et 4, 9. 2 à trèfle, à 3 trèfles. Ben, j'ai l'impression que ça va se réduire à une impasse trèfle, cette histoire-là. Je vais faire. Eh oui, il me manque la dame, mais le problème, c'est que je peux la prendre aussi bien en ouest qu'en est. Hein. Dans les deux cas, si j'avais l'information sur où est la dame de trèfle, hein, si je la voyais tomber sur la table d'un côté ou de l'autre, ben forcément, je la prendrais. Le truc, là, c'est que je ne sais pas s'il faut que je la prenne en est ou en ouest. Alors, j'ai bien un petit truc, je vous en parlerai après. Alors. Donc, on a dit qu'on avait l'entame cœur. J'ai mis petit cœur du mort. L'adversaire a mis son roi en est. Donc, il a forcément as roi de cœur. Et il rejoue atout. Il ne se mouille pas.
Alors, il rejoue atout. Bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais enlever les atouts. J'enlève les atouts. Ils sont 3-2. Bon, 3-2. J'encaisse 3 tours de carreau en finissant en mort. Pour l'instant, je ne suis pas pressé pour encaisser mon dernier carreau. Alors, que fais-je sur cette impasse à trèfle? Si je vais faire un truc, je vais appâter. Je joue le 10 de trèfle. Sieste à la dame, il peut être tenté de la mettre. D'accord? Et à ce moment-là, je mettrai mon as et je ferai encore valet 3. Je veux aussi qu'il ne la mette pas, mais qu'il hésite suffisamment longtemps pour que ça me fasse comprendre qu'il a la dame de trèfle. À ce moment-là, ça marcherait aussi. S'il met petit foulé, a priori, il n'a pas la dame de trèfle. Donc, je vais prendre de l'as et je ferai l'impasse contre ouest. C'est ce que je fais. 10 de trèfle, il met petit foulé. D'accord, tout de suite, il met un petit. Donc, je suppose qu'il n'a pas la dame, puisqu'il n'a pas hésité, il ne l'a pas mise. Je mets mon as de trèfle, d'accord? Je rejoue trèfle, je fais l'impasse en espérant très fort que la dame soit en ouest. Et malheureusement, quand je mets le 10 de trèfle ou le 9 de trèfle du mort, hein, c'est est qui joue sa dame. Comme il avait déjà fait l'as devant le roi de cœur, j'ai chuté mon chelem. Aïe, aïe, aïe. C'était la dernière donne. On regarde un petit peu ce qui se passe. Je regarde les quatre jeux sur. À la table ou bien sur le bridge mate, ben oui, vraiment, j'ai pas de chance parce que il avait fait qu'il a bien joué Est. Hein. Quand j'ai mis le 10 de trèfle, il n'a pas hésité une seconde, il a mis tout de suite un petit. Aïe, 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 est-ce que je pouvais faire autrement? Ben non, j'ai fait quatre carreaux, j'ai fait mes piques, à cœur, ben, je ne pouvais rien faire d'autre. Bon, ben, j'ai chuté. Hein. Bon. Allez, on va pas se prendre la tête, de toute façon, le match est terminé, on va rejoindre nos copains pour faire les comptes. Voilà notre feuille. Hein. Donc, on était en salle ouverte, notre feuille avec tout ce qu'on a marqué. La salle fermée, ben, on va regarder à chaque fois ce qui s'est passé. En salle fermée, donc le première donne de ce tiers-temps, ils ont aussi joué deux cœurs, nos adversaires. J'ai fait une levée, enfin mon partenaire plutôt a fait une levée de plus, 140. Donc, on a gagné un point sur la donne. Très bien. La donne 2, on a joué 300 atouts dans les deux salles, une bonne égalité. La donne 3, mon partenaire a joué 300 à tout, il a fait égal. Il avait bien joué, j'ai trouvé qu'il avait bien joué. Ben oui, parce qu'effectivement, ça a chuté dans votre salle. Donc 10 points dans notre escarcelle. La donne 4, bon, 300 à tout égal dans les deux salles. La donne 5, il jouait 4 piques hein, contre nous. On a eu un flanc un peu approximatif, on a fait moins 1. Nos adversaires dans l'autre salle ont fait chuter de 2. Donc, on perd 2 points sur la donne. Hein. Une levée de transféré, ça, une levée de chute non contrée, ça a l'air de rien, mais c'est quand même 2 points qui disparaissent. Hein. Ce n'est pas terrible. Pareil sur la donne 6. Hein. J'ai joué 3 piques. J'ai fait un maniement qui était moyen. J'ai fait moins 2, finalement. Je n'étais pas trop mécontent, mais on a fait que moins 1 de l'autre côté. 2 points encore pour l'adversaire. La donne 7, pareil. Mon partenaire a joué 4 piques. Il a pas cherché à faire la levée de mieux, il a assuré son contrat, ce qui était normal, mais il aurait pu gratter un petit truc. Effectivement, 1 point pour l'adversaire, elle la donne 8, ben également, une levée de plus, 1 point pour l'adversaire. C'est bête, hein, c'est levée de plus, ça a l'air de rien, on dit en match par 4, on s'en fiche de donner une levée par-ci, par-là. Ben, on regarde que petit à petit, ce n'est pas tout à fait vrai. La donne 9, on a aussi voilà, donné une levée de plus, décidément, on n'a pas été très performant sur ce genre de choses. Eh bien, ça, cette fameuse donne 10. Alors, si par hasard les adversaires ont empaillé le chelem, ils ont demandé 4 piques, qu'ils fassent plus 1, plus 2, ben à ce moment-là, ils marqueront des points, effectivement, mais on gagnera le match. On gagnera le match. On aura suffisamment d'avance. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils aient demandé le chelem et qu'ils l'aient gagné. Alors là, on attend. Nos partenaires, ils nous font un petit peu. Ils traînent un petit peu, nos partenaires, avant de nous tenir. Et ben, ils nous disent, ouais, donc, ils ont gagné le chelem. Ils ont gagné le chelem. Vulnérable 1430. Plus 100, ça fait quand même 1530. Voilà, on regarde sur la feuille, c'est rare qu'il y ait de tels écarts. 17 points pour eux, 17 points pour eux. Oh là là, 24, quand je fais la somme, 24 à 11. On avait bien 10 points d'avance, hein, mais ça fait 24. Vous voyez ça, voilà, et on a perdu le match. On a perdu le match, on a perdu notre place en Coupe de France. Hein, on n'ira pas au prochain tour. On est éliminé pour une histoire de 6 piques qui a chuté d'un côté. Alors, quand je repense à la donne, oui, forcément. Alors peut-être que nos partenaires ont entamé de trèfle, ou peut-être qu'ils ont eu la chance qu'ils ont pris la dame du bon côté. Ou peut-être qu'ils ont appâté comme j'ai fait, puis là, il a mis la dame, je ne sais pas.
Oh là là. Bon, ils ont eu de la chance. Bon, on va les féliciter parce qu'on est sport, on est sport. On va féliciter nos adversaires donc dans notre salle. Bravo, vous avez demandé ce six piques, vous l'avez gagné. Ben, super, vous avez eu de la chance de trouver la table. Non, non, mais nous, on n'a pas eu de la chance. On ne s'est pas occupé de la dame de trèfle. Bon, ça, ben, non, 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 pas du tout. Nous, on a fait un mort inversé. Un mort inversé, mais quel... Ben oui, ça me dit quelque chose, le mort inversé. On avait vu ça un coup avant, une fois. Mort inversé, je ne me rappelle plus. Oh, tiens, faut que je me renseigne. Enfin, je me renseigne. Alors, c'est quoi déjà ce fameux mort inversé? Là, ouh là là, si on a perdu le match à cause d'un mort inversé que j'aurais peut-être dû réussir, savoir, en tous les cas, j'ai l'impression que les copains là-bas, les adversaires, l'ont réussi, ben ouais, on va regarder. On va regarder un petit peu cette histoire. Ah là là là, mort inversé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, là, je vois l'image, hein, du mort inversé. Ben oui, ça, c'est très simple. Le mort inversé, alors de quoi s'agit-il? Ben, on va introduire un peu le sujet. Regardez ces mains-là. On joue six piques aussi sur l'antenne du valet de carreau. Combien est-ce que je peux faire de levées à pique? Ben, j'ai tous les piques mêlées, ça tombe bien, donc je vais faire cinq levées à pique. Est-ce que je peux faire plus que cinq levées avec mes piques? Ben, je ne crois pas, hein. Je ne crois pas, les mains sont miroirs, comme on dit. Je ne peux pas faire plus que cinq levées. On peut faire cinq levées, pas plus. Pas terrible. Alors, des fois, il y a des mains plus sympas. Regardez cette main-là. On a aussi, a priori, cinq levées à pique. Mais regardez, on a aussi la fameuse coupe de la main courte. Hein. La fameuse coupe de la main courte. Je joue de tour à tour au cas où, hein, en débarras. Je joue as de cœur, roi de cœur. Cœur coupé, maître, bien sûr. Je rentre en main avec un as mineur et j'ai fait donc cinq levées à pique plus une, la coupe de la main courte. J'ai fait six levées à pique. Ben, ça m'a suffi pour gagner mon contrat. Ça suffit pour gagner le contrat de six. De temps en temps, on a des mains un peu comme ça. Alors, combien de levées à pique je peux faire? Ben, je peux faire mes cinq piques. Roi, valet, ouais, cinq levées à pique. Alors, on va dire aussi, oui, mais je peux aussi vous faire deux coupes à trèfle. Je peux couper deux fois. Mais en coupant deux fois à trèfle, est-ce que je fais plus que le 5 levé à pique? Pas du tout. Hein. Je fais bien mes 5 levés à pique. Alors, je peux les faire en les tirant en tête. Je peux les faire en coupant si ça m'amuse. Mais dans les deux cas, je ne ferai pas plus que 5 levés à pique. D'accord? En général, les coupes de la main longue n'apportent pas de levée. Il y a des gens qui aiment bien couper de la main longue. Ça peut servir pour affranchir une couleur, par exemple, mais sinon, ça ne procure pas de levée. J'avais mes cinq levées à pique au départ, que je les fasse en les tirant en tête ou en coupant des trèfles ici, ça ne change rien, je fais cinq levées à pique. Alors maintenant, on va regarder une autre donne. On va introduire cette notion de mort inversée. Alors, l'adversaire à droite a ouvert de un trèfle. J'ai dit un pique, 4 et 4, 8. Je ne suis pas obligé, mais c'est quand même, j'ai une belle main, j'ai une main plutôt bicolore. Cinq de ton cœur. Bon, allez, je dis un pic, je pense que c'est assez normal. Et les partenaires, 6 et 6, 12, 13, 14, 15, des trois honneurs à pic quand même. Allez, ils ne s'embarrassent pas, il annonce 4 pics directement. Il a raison, je pense qu'espérer un chelem, ça serait un peu charrié. Et ne pas penser qu'on puisse gagner. Une manche, ça serait également un peu charrié. 4 piques, ça me semble un contrat tout à fait raisonnable. West entame trèfle. Les adversaires encaissent 3 tours de trèfle directement, 3 levées à trèfle. Ils rejouent à queue. Donc, attention, ils ont pris leurs 3 levées de trèfle. Donc, le contrat, comme on dit, il est fermé. Hein. Ils ont déjà fait les 3 levées auxquelles ils avaient droit. Il faut qu'on fasse le reste. Il faut qu'on fasse le reste. Les trèfles sont partis. Il me reste ça. Alors, comment est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire mes 5 levées à pique. Ça, c'est sûr, tous les piques sont maîtres. L'as de cœur, évidemment. Et à carreau, j'ai as roi dame. J'aurais bien aimé avoir le valet en plus, mais je ne l'ai pas. Bon, oh, ce n'est pas très gênant. J'ai une chose à espérer. Trouver les carreaux 3-3. Si les carreaux sont 3-3, je fais les 10 levées qui restent. D'accord? Donc, j'espère, sur cette donne-là, que les carreaux sont 3-3. C'est a priori, à vue de nez, on va dire, le seul espoir que je peux avoir. Le carreau 3-3, ça arrive souvent, pas souvent. Allez, je vais vous faire un petit truc sur les comptines. Les comptines, peut-être pas 50 minutes de comptine, mais alors, avec des gestes aussi, c'est vous qui voyez. C'est la comptine du bridge. Hein. Ce n'est pas la comptine avec au clair de la lune ou je ne sais pas quoi. C'est
La comptine du bridge, elle est facile, la comptine du bridge. Hein. Il y a plusieurs petits trucs à savoir. On le fait ensemble. 3, 3, une fois sur 3. 3, 3, une fois sur 3. On trouve une répartition 3, 3, une fois sur 3. 2, 4, 2 fois sur 4. 2, 4, 2 fois sur 4. On trouve la répartition 2, 4 ou 4, 2. 2 fois sur 4, une fois sur 2. 2, 3, 2 fois sur 3. 2, 3, 2 fois sur 3. Quand il manque 5 cartes, 8 cartes à la toux par exemple, il en manque 5. 2 fois sur 3, ça serait réparti 2, 3. Facile. Et puis enfin, 1, 4, une fois sur 4. 1, 4, une fois sur 4. Quand il manque 5 cartes, une fois sur 4, c'est, je trouverai la répartition 4-1. C'est beaucoup, hein? 4-1, une fois sur 4. Sur 4 donnes de suite où j'ai 5 cartes qui me donnent du color, eh bien, une fois sur 4, une fois sur les 4, je trouverai cette fameuse répartition 4-1. Alors, les vrais chiffres sont un tout petit peu différents. 3-3, une fois sur 3. Si je dis une fois sur 3, ça fait 33, 33% de quelque chose. En fait, réellement, c'est 36%. Et on est d'accord pour dire que l'approximation est largement suffisante. 2-4, deux fois sur 4. 2-4, deux fois sur 4, ça fait 50, une fois sur 2. En fait, c'est 48. Pareil, l'approximation est très proche. 2-3, deux fois sur 3, ben oui, 67%. D'accord, c'est deux fois sur 3 par le calcul. En fait, c'est 68. Là aussi, c'est quasiment équivalent. Et 1-4, 25%, une fois sur 4, car en fait, c'est 28%. Là aussi, l'approximation est tout à fait suffisante. Donc, je vous invite à répéter avant de vous coucher les comptines du bridge. Hein. 3, 3, 1, 3. Bon, je vous laisse faire, je ne vais pas le faire à chaque fois. Vous réécoutez, s'il vous plaît, les paroles et la musique. Et comme ça, vous allez bien vous fixer les choses sur les répartitions des cartes dans les couleurs que vous voulez manœuvrer. Alors, je reviens à mon histoire. Les carreaux 3, 3, une fois sur 3. En fait, 36%. Donc, ça veut dire que je vais gagner, en fait, mon contrat de 4 piques qu'une fois sur 3 si je n'espère que trouver les carreaux répartis 3-3. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. On va voir que l'on peut aussi gagner ce contrat en coupant 3 fois de la main de sud. Si j'arrive à couper 3 fois de la main de sud, donc de faire 3 plis de coupe, sans tirer tous les atouts du mort, donc à ce moment-là, je ferai 3 levées de coupe. Et les trois piques du mort, je ferai six levées à pique. Si j'arrive à faire six levées à pique, une à cœur et trois à carreau, je ferai 10 levées, on va dire, quelle que soit la répartition des carreaux. On va regarder ça. D'accord? Donc les trois trèfles sont partis. L'adversaire revient cœur. D'accord? Je mets l'as de cœur du mort, bien sûr. Et donc on a fait, nous, une levée, ils en ont fait trois. D'accord? Je coupe tout de suite un cœur. Je coupe un cœur. Du 7 de pique, par exemple, c'est notre deuxième levée. Je tire deux tours d'atout en finissant au mort. Hein. As-Dame de pique, par exemple, je constate que les piques sont 3-2. D'accord? Ils ont fourni tous les deux. Tout va bien. Donc, il reste un seul pique dehors. Je suis au mort, pardon. Je coupe encore un cœur. C'est ma cinquième levée. Je remonte au mort à carreau, le roi de carreau. Je coupe mon dernier cœur, 5 de cœur coupé du roi de pique, septième levée. Je joue encore carreau pour rejoindre le mort, carreau pour la dame. Je suis maintenant au mort. Je peux maintenant tirer mon 10 de pique pour enlever le dernier atout. Et il me reste enfin l'as de carreau qui est maître en sud pour faire ma dixième levée. J'ai fait 10 levées avec cette technique du mort inversé. Alors pourquoi mort inversé? En général, c'est le mort qui a la main courte à l'atout. Hein, sur une séquence 1 pique, 2 pique, par exemple, c'est le mort pardon, qui aura une main courte à l'atout. Là, on considère qu'on va jouer à l'inverse. On va couper de la main longue plusieurs fois pour pouvoir gratter, gagner une levée. Donc, pour faire ici 10 levées, il suffisait de quoi? Il suffisait de trouver les atouts 3-2. Les atouts 3-2. 2, 3, 2 fois sur 3, c'est un 3, 2, 68%.
si on est précis, bah c'est quand même bien mieux, on est d'accord, que de trouver les carreaux 3-3 qui arrivaient seulement dans 36% des cas. Et puis, si en cours de route, on constate que les atouts sont 80, bah ce n'est pas très grave, on va se rabattre sur les carreaux 3-3. On verra dans un autre cours qu'on pouvait aussi, ou on pourrait aussi ici, appliquer la manœuvre de Guimard. Je ne vais pas la développer ici, je vous referai une vidéo sur la manœuvre de Guimard. Donc ici, donc, avec les atouts 3-2, j'ai réussi à faire mes 10 levées, alors que les carreaux n'étaient pas forcément, comme ici par exemple, répartis 3-3. Donc si j'avais tiré tous mes atouts avant de jouer carreau, j'aurais chuté mon contrat. Bien. Une autre donne un peu du même genre. On joue 6 piques cette fois-ci et on reçoit l'entame du roi de cœur. Alors, on compte les levées, hein, toujours pareil, quand on est déclarant, on flanque aussi d'ailleurs, hein, quand on est déclarant, on compte les levées. Alors, à pique, c'est facile, j'ai 5 piques, ils sont tous maîtres. Hein. 5 levées à pique, c'est sûr. À cœur, ben, j'en vois qu'une, hein, difficile d'en faire deux. À carreau, ben, j'ai 4 levées de tête, 4 levées maîtresses, 4. Et à trèfle, une levée maîtresse, 4. Et 1, 5 et 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 levées. 11 levées de tête, dont mes 5 levées à pique. Alors, comment est-ce que je peux gratter une levée? Qu'est-ce que je peux faire pour gratter une levée? Ben, si j'ai l'impasse à trèfle. L'impasse à trèfle, ça arrive combien de fois, ça? Ben, pour gagner l'impasse à trèfle, il faut trouver le roi en ouest, hein, c'est ça? Une fois sur deux. Une fois sur deux, je vais faire mon contrat grâce à la réussite de l'impasse trèfle. Si l'impasse trèfle rate, alors à ce moment-là, je crois que je suis mort. Je suis mort. Attention, attention. Sauf si je pense aussi là au mort inversé. Si j'arrive à faire 6 levées avec mes atouts, d'accord, j'arriverai non pas à 11 levées, mais à 12 levées, quel que soit le succès ou l'insuccès de l'impasse à trèfle. Allez, on y va. Donc, on a dit entame roi de cœur. Je vais mettre mon as de cœur. D'accord? J'ai fait une levée. Je coupe un cœur. Deuxième levée. Je remonte au mort. Roi de pique, pris l'as. Attention aux communications. Dame de pique, tout le monde fournit. Si tout le monde fournit, les piques sont 3-2. Je peux continuer mon mort inversé. D'accord? Je continue mon mort inversé. Cœur coupé à nouveau, hein, j'étais au mort. Carreau pour la dame. Carreau pour la dame, pour être au mort. Je coupe mon dernier cœur. 5 de cœur coupé du valet, mon dernier atout de ma main. D'accord. Je remonte au mort. 6 de carreau pour le valet. J'enlève le 10 de pique. J'enlève le 10 de pique et je joue carreau pour l'as et le roi en défaussant un trèfle. J'ai déjà fait donc avec j'ai déjà fait 11 levées, il me reste 2 petits trèfles pour As-Dame. Si je sais qu'en Est, il n'y a plus ni carreau ni cœur, parce que j'avais un décalage comme il fournissait, il n'y a plus ni carreau ni cœur, à ce moment-là, je peux faire l'impasse trèfle pour réussir 12 levées au cas, 13 levées au cas où Ouest aurait le roi, sinon je ferai 12 levées. Il faut aussi décider en tête pour assurer mes 12 levées, mais il y a quand même la possibilité d'en faire 13, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, le mort inversé, grâce à la répartition 3-2 des piques, m'a permis de faire 12 levées et de gagner mon contrat, quelle que soit la place du roi de trèfle. D'accord ? Regardez ces 4 mains cette fois-ci. D'accord ? J'ai joué le mort inversé, j'ai réussi à faire 12 levées. Si je joue bêtement, entre guillemets, mes piques pour enlever les atouts, donc il n'y a plus d'atouts au mort. À ce moment-là, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais mes 4 carreaux, oui, je fais mon as de cœur. Ben, je n'ai plus qu'une chose à espérer pour faire 12 levées, c'est réussir l'impasse trèfle. Elle ne réussit pas et je vais chuter le contrat de 6 piques qui, comme ici, le roi de trèfle est en est. Voilà. Si les atouts sont 4-1, à ce moment-là, on va le voir. Je ne peux pas couper une fois de plus parce qu'à ce moment-là, l'adversaire fera une levée avec son atout. D'accord, je ferai l'impasse. Bref, ce sera mon seul espoir, je crois, ou à peu près, de faire 12 levées. Bien. Alors, le principe du mort inversé, c'est une technique du déclarant. Hein. Ça permet de gagner une levée supplémentaire en coupant
de la main longue à l'atout de nombreuses fois. Alors, combien de fois? Si nos atouts sont répartis 5 fois, pour gagner une levée, il faut faire donc les 3 atouts du mort, on va dire, et il faut faire aussi 3 atouts. Donc, il faut couper 3 fois. Quand on a une répartition 5-3, d'accord, il faut pouvoir couper 3 fois de la main longue à l'atout, plus les 3 atouts qui me restent dans l'autre main, je réussirai à faire 6 levées d'atouts, alors qu'au départ, je n'en voyais que 5. Alors, pour réussir un mort inversé, il faut, premièrement, avoir dans la main courte des atouts de bonne qualité. Pourquoi? Parce que, au moins, un atout de très bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'à la fin, je vais jouer atout de la main courte. Si j'ai, comme dans cet exemple-là, 4, 3, 2, 2, pique, si je coupe de la main longue plusieurs fois, bien sûr, je vais faire 3 levées de pique avec mes coupes de la main de sud, mais quand je jouerai 4, 3, 2 de pique, ben forcément, l'adversaire fera son 9 de pique. Et ça ne va pas me permettre de réussir, de gagner une levée grâce au mort inversé. Il faut trouver une répartition favorable des atouts adverses. Si, comme ici, les atouts sont 4-1, si je coupe 3 fois de la main de sud, ben forcément, Est fera une levée de pique en plus de la levée de trèfle ou des levées de trèfle qu'il pourrait faire. Donc, ça ne marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Et enfin, il faut avoir les communications suffisantes. Vous avez vu qu'il fallait faire des allers-retours entre la main du déclarant, la main du mort, pour pouvoir faire les coupes et après pour pouvoir retirer le dernier atout. D'accord? Donc ici, par exemple, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de remontée vers le mort. Hein? Idéalement, oui, on pourrait dire, je fais 3 levées en coupe avec la main de sud, parce que je peux couper 3 cœurs. Je ferai les 3 piques du mort, donc as dame 10, l'as de cœur, on a dit 3 coups, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec les carreaux et les trèfles, mais là ça ne marche pas parce que je n'ai plus la remontée pour aller chercher le 10 de pique. Bien, bien, bien. Alors, tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. Dis-moi, ben oui, c'est des partenaires, ils ont suivi le cours, mais bon, un peu compliqué. Hein. Ben oui, lui, il dit, ben oui, c'est un malin, c'est un rigolo. Hein. Le mort inversé, c'est renversant. Ben oui, c'est renversant, on est complètement renversé, renversé. Et puis bon, voilà, Shadok pour finir, le petit Shadok pour finir. C'est tout pour aujourd'hui, ben c'est déjà pas mal là aussi. Hein. Mort inversé. Ça n'arrive pas souvent, mais de temps en temps, ça peut arriver. Il faut y penser. Quand c'est le cas, c'est la bonne façon souvent de gratter, de gagner une levée par rapport à une situation qui semblait plutôt compromise. Bien, je vais arrêter ici le partage de l'écran. Je vais vous saluer. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je ne sais pas il est quand vous regardez cette vidéo. Et puis, je vais en mettre d'autres. Restez un petit peu à l'écoute sur YouTube. Vous pouvez voir d'autres cours là-dessus. Voilà, je vais donc arrêter. Je vais donc ici arrêter ma vidéo. Voilà. Pour ça, je vais mettre un ici. Voilà. À bientôt!